Alors bonjour, je m'appelle Pascal Elbert, ce qu'il en reste. Hein, parce qu'on a, je fais une longue tournée pour présenter un film qui est en fait mon dernier film. On m'a enfermé dans cette chambre d'hôtel en charmante compagnie, donc un homme heureux. Non, c'est un film engagé. Non, j'avais fait un film d'humeur. C'est un film qui me correspond. C'est un film qui raconte, qui parle de transmission, qui parle de communication, qui parle de l'autre, qui parle de... Oui, d'empathie. Mouton. Le mouton. Le soleil. Le sommeil. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde. Vous avez pensé à mettre des boules qui est. Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Vous n'entendez à rien. Le 6. Le 6, mais pas le 5. Le 6. Comme ça, tout le monde est content. 1940. Monsieur, vous allez trop vite, on peut pas tout noter. Allô, on est là, monsieur. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Hein. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. Il existe des prothèses auditives. Ah bah, à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, là, c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Claire a perdu son mari il y a un an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars? Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Eh ben, il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là? Bon, j'espère que t'es prêt pour maman. Tu devrais pas t'énerver comme ça avec elle. Oui, bah c'est facile pour toi, t'entends rien. Bah j'en peux plus d'écouter ces conneries. Maman, c'est moi, c'est ton fils. Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce là. Ça fait 3 nuits qu'elle dort mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier? J'ai pas votre numéro. 07. Un rire ou un soupir de plaisir. Mais c'est surtout l'autre qui vous fait comprendre que vous êtes dans le déni. Au début, vous dites, mais non, j'entends très bien, c'est lui qui articule pas assez, c'est lui qui parle pas assez fort. Et puis quand c'est vraiment partagé par tout votre entourage, vous dites, non, là, il y a un vrai problème, je crois que j'ai un problème de feuilles mortes. Voilà. Enfin, c'est quelque chose d'assez fou à vivre, parce que se constituer une famille à l'écran, trouver qui va être ma sœur, et qui est la sœur de Sorine Kiberlin, qui sera sa sœur. Vous savez, le champ des possibles est très, très large. Et puis un jour, il y a une évidence, comme une rencontre amoureuse. Vous voyez, je ne connaissais pas François Berléand, mais j'étais un peu amoureux de lui. J'avais envie, j'aime son jeu, j'aime sa musique, et je savais qu'on pourrait jouer dans la même partition. Hein, c'est un petit miracle qui se produit de s'entendre avec les gens. Est-ce que Sorine Kiberlin et Emmanuel De Vos, qui a accepté de jouer ma sœur, l'a fait pour le sujet ou pour moi? Écoutez, laissez-moi penser que c'est pour moi. Parfois, il peut y avoir des avantages, mais sinon, vous savez, être malentendant, c'est ce que j'appellerais un peu un travail d'équilibriste au quotidien. Parce que quand vous n'entendez pas, vous pouvez très vite passer pour un rabat-joie, un simplet, un débile. Quoi, il n'y a pas de jour de relâche, c'est en permanence. Donc parfois, vous aimez vous retrancher chez vous, voyez, pour rejoindre cette grande dame aux caresses glacées qu'on appelle la solitude. Quelqu'un qui est sourdingue, ça a toujours fait rire. C'est comme ça. Ça fait toujours rire quelqu'un qui n'entend pas bien, parce que ça prête à des quiproquos. Et en même temps, c'est pour ça que j'en ai fait un film, c'est de me dire que c'est des situations en or. Gigi, j'adore.